الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous présentons nos excuses pour sa rétorale pour aujourd'hui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah regarde nous vivants, qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa la vie qui Allah peut continuer de nous là, qui s'avère un moyen pour que nous rapprochions avec lui et nous restons avec bonne quelque chose qui Allah pas content avec bonne désobéissance. Et aussi nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ria, que Allah subhanahu wa ta'ala mette sincérité dans toutes nos bonnes actions qu'il nous faire sa bonne action là pour faire de tout seul plaisir. Nous continuons l'explication concernant khushu' de salat. La dernière fois, nous citons concernant ban avkar, ban doa que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne pour nous lire. Surtout, nous citons doa que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne pour nous lire dans sijida. Nous citons sijida, c'est position qui nous plie près contre Allah subhanahu wa ta'ala, nous plie près avec Allah. Quand nous disons de sijida, c'est position qui nous plie près avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous devons faire des efforts quand nous dans sa position là, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons avec Allah, surtout quand nous devons faire namaz tout seul. Quand nous devons faire namaz tout seul, quand nous devons faire ma namaz nawafil. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala concernant n'importe qui chose qui nous besoin. Qui les concernant dunya, qui les concernant akhirat, nous prions avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah c'est lui qui tente tout. Allah peut trouver nous, Allah peut tenir nous. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans le shu'ara. الذي يراك حين تقوم, c'est lui qui peut trouver toi. حين تقوم, quand nous peut débuter, nous peut faire salat, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut trouver nous. Lui peut trouver nous, Allah connaît. Quand nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le sijda, Allah peut tenir nous. Et puis n'a aucun doute, nous sincères avec Allah. Si ça quelque chose est bon pour nous, Allah pour nous lit. Et aussi nous apprenons concernant bandoua que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous réciter, veut dire que nous fin termine tashahoud avant qu'il nous fait salam. Nous finis lire at-tahiyyat, nous finis lire daroud. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam en a plusieurs doigts qui fin enseigne nous pour nous demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, nous demandons avec Allah pour qu'Allah pardonne nous. Nous avons péché qui nous fait commettre. Allahumma inni zalamtu nafsi. Wallah, nous faisons faire moi-même beaucoup d'idées. Zulman kathira. Wallah, yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Donc, ça c'est éviter là, il peut reconnaître. Il peut reconnaître qu'il commet beaucoup de péché dans la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul qui est capable de pardonner ce péché là, alors aussi demandons avec Allah pour Allah pardonner. Aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous enseigner pour cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre ben fitna, la vie, la mort, et contre punition, qabar, et contre fitna, dajjal. Pour aujourd'hui, nous apprendre concernant un autre moyen encore qui, inshallah, ça peut aider nous pour nous gagner khushu' dans nos salats, c'est même que salat fin terminé. Les malheureux pour nous dire qu'il y en a beaucoup de monde. Qui comme imam fait salam, nous trouve ça dimoun là, il est devant la porte masjid. Il finit arrive devant la porte masjid. Il est pressé, comme si masjid là pique lui. Il est pressé pour les sortir en dehors masjid là. Connais que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous ban adhkar. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous ban adhkar pour nous réciter quand salat fin terminé. Et ça peut être nous. Ça pour aider nous pour nous augmenter nos khushu' et pour nous gagner maximum bienfait de sa salat qui nous fait faire là. Parce que, comme on nous connaît, les recommander pour un dimoun, qui les suivent une bonne action par une autre bonne action. Nous suivent une bonne action par une autre bonne action. Donc, ça dimoun là, quand nous pensons, quand nous réalisons, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous, pour nous dire, quand nous finissons faire salat, qui première parole qui sortit de nous la bouche? Quand nous finissons faire salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Qui première parole qui sort de nous la bouche? Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Där tog man fransk gena. Kifir Rasul sallallahu alaihi wa sallam fin avasainu buja sa fraza astaghfirullah mo deman pahunu avik Allah. Kom si nu pedeman Allah subhanahu wa ta'ala pahunu buban magman kifin kapab ena denu salat. Nu en humain, ena van moment ki peut-être denu salat nu pan kapab koncentre kuma bizan. Kom nu fer salat, peut-être nu pas pou kapab nu gai 100% khushu. Et là, il y a un manque qui peut-être fin glisser, peut-être fin arriver dans sa salade qui nous fait là. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, première phrase qu'il est fin enseigne nous pour nous demander après salade, astaghfirullah. Moi, demande, pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour tout un manque qui fin capable d'arriver dans sa salade là. Et aussi, une autre façon encore qui peut être nous. Pour combler un manque qui fin capable, il y a de nous une phrase qui nous fait. C'est à travers mon nawafil. À travers mon nawafil, mon namaz en plus qui nous fait, qui pas faraz, qui pas obligatoire. À travers ça, mon namaz là, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, qui ça, mon namaz là, jour qiyamah, quand Allah peut poser nous quelque chose concernant nos salat. Quand de sa salat obligatoire qui nous fait là, c'est qui faraz là. Quand il y a un manquement là-dedans. Alors, Allah vous a guetté si vous serviteur, il y a un namaz qui le fait faire, mon nawafil. Et si nous faisons un bon nawafil, alors ça pour aider, pour combler le manquement qui est capable ina dans nos bonnes phrases. Donc ça, lui montre nous l'importance pour nous pas contenter nous-mêmes juste avec ce qui est obligatoire. Vous dire 5 fois namaz obligatoire par jour, mais contenter nous-mêmes juste avec ces 5 fois namaz qui est obligatoire. Là, au contraire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin, promet une grande récompense pour les gens qui mettent en pratique man sunna mu'akkada. Il y a 12 rakats que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous compte concernant ce valet qui accompagne man namaz faraz avant ou soit après man namaz faraz. Ça 12 rakats là, comme nous connaît des rakats avant Fajr, 4 rakats avant, 2 rakats après. Des rakats après Maghrib et des rakats après Isha, sa 12 rakats là, c'est lui qui préserve sa 12 rakats là tous les jours. Allah arrange pour nous la case de paradis. Allah arrange pour nous la case de paradis. Et en même temps, ça lui fait un moyen qui, si dans nous avons namaz, faraz et nous avons manquement, nous avons pour être comblé pour sa bonne nawafil là. Une autre action encore qui peut être nous, pour que nous capables de gagner khushu, nous capables de gagner concentration dans nos salat, c'est que nous retirons quelque chose qui est capable de distraire nous. Ou soit si nous faisons un namaz dans la case, nous faisons un namaz dans la case, ou n'importe quelle autre place à porte, masjid, nous ne faisons pas un namaz contre une place, contre une quelque chose qui est capable de distraire nous. Une place que, quand nous faisons un salat, nous l'esprit capable avec ça quelque chose-là. Par exemple, Anas radiallahu anhu, les rapporter, les dire, qui est Aisha radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, Aisha radiallahu anha, l'itiena un rideau. L'itiena un rideau qui tient à ma décoration l'eau-là. L'itiena un rideau qui tient à ma décoration l'eau-là, qui l'espèce couvert, l'espèce couvert une partie sur la case avec sa rideau-là. L'itiena que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finjali, tient ça depuis moi. Enlève sa rideau là parce que ce ban décoration peut distraire moi comme on peut faire salat. Ban décoration qui est là dans sa rideau là, il peut distraire moi comme on peut faire salat. Donc, quand on peut faire salat dans la case, par exemple, dans la somme et dans le rideau, qui nous trouvait qui, quand on peut faire salat, sa rideau là, il peut venir une source de distraction. Parce que nous disons quand on peut faire salat, nous concentrer. Si nous peut faire salat dans une place, comme par exemple, et dans le rideau, et il y a un rideau qui est capable de distraire moi. Il est pour empêcher moi. Gagne khushu. Donc, il faudrait qu'il soit moi enlève-lui, soit moi le fais namaz dans une autre place. Soit moi enlève-lui, soit moi le fais namaz dans une autre place, dans une place que pas pour une aucune, mais quelque chose qui est capable de distraire moi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ça même quand les fins rentrent de Kaaba pour les faire salat, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve des moutons avec cône. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin complète ce salat, il dit à Othman al-Hajabi, il dit, mofin blié, pour dire à toi, couvert sa mouton-là, ce cône. Parce que, il n'y a peine à aucune petite chose dans la case de Kaaba qui vous distrait à Bandimoun. Hadith qui trouve dans le muslim.
Et aussi, quand nous pouvons dire faire namaz devant une place, côte, hein, et devant quelque chose qui est capable de distraire nous, et aussi, nous pouvons prendre précaution. Surtout quand nous pouvons faire namaz dans la case, surtout, qui nous va faire namaz dans la somme côté namaz du monde peut causer. Et la somme côté namaz du monde peut causer. En la somme, par exemple, en place côté na, côté na tapaz. Parce qu'il n'y a aucun doute, ça va être quelque chose, hein, les pouvines, en barrière entre nous, avec nous, soit là, nous pas pour capable de concentrer comme ma bizin. Nous pas pour capable de concentrer comme ma bizin. Peut-être en tapaz, du monde peut causer, quand nous peut lire, dans soit là, du monde peut causer, du monde peut faire tapaz, soit nous peut être demander les autres tapaz. Ça, les pauvres viennent une façon que ça, les vous distraient nous. Nous pas vous capables de concentrer dans ce qui nous peut lire dans la salat. Nous pas vous capables de gagner un khushur, kouma bizin. Et aussi, nous bizin, nous pas faire namaz dans une place que, soit place là, les trop sûr, ou soit les trop frais. Si possible. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin enseigne nous, pour nous retarder namaz johar dans l'été. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous pour nous retarder namaz zohar dans l'été jusqu'à ce qu'un moment qui fait plus sous dans la partie de la journée là, les fin terminé. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lui dit que quand un dimoun les fait namaz, comme il fait bien sous, ça l'est bien intense, ça lui empêche sa dimoun là pour gagner un khushu, un bon khushu. Quand un dimoun peut faire namaz dans une salle, elle peut faire bien sûr. Salle là, elle est bien intense. Ça, elle est pour empêcher sa dimoun là pour un bon khushur. Sur l'esprit, pas pour en place. Elle peut faire sa namaz là, vite, vite. Elle peut faire ce qu'il y a à faire. La cause, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par une bonne sagesse qui est dans la dame, qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin recommande, qui comme faire sûr, dans l'été, comme faire bien sûr, pour nous retarder namaz zohar jusqu'à ce que ça allait là fin diminuer. Afin qu'il nous capable, quand nous pouvons faire namaz, nous pouvons concentrer. Nous pouvons capable atteindre ça l'objectif de salat là. Et pour l'objectif de salat, c'est nous gagner khushu. Nous capable, nous pouvons concentrer dans sa salat là. Nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, une autre petite chose qui nous faisait prendre précaution quand nous pouvons faire salat, qui malheureusement, beaucoup du monde pas prend en compte ça petite chose là. C'est concernant l'aise qui nous permettait pour nous faire salat. Aujourd'hui, avec regret, nous disons que beaucoup de monde, les pensaient que quand les bébés viennent faire salat, ils parlent de terrain football. Les mettent un t-shirt football, par derrière, ils écrivent, non, man jouer. Ils pas réalisé que ça capable d'une source de distraction. Pour ben des monde qui me fait namaz par derrière. Pour ben des monde qui me fait namaz pour derrière lui et un t-shirt n'écrit un nom pour derrière n'écrit Ronaldo n'écrit Messi pour derrière donc des monde qui pour derrière lui comme il fait un salat ils sont capables d'être distrait à part ça les chrétiens là ou soit à part nos football et n'importe les autres publicités nos t-shirts là pour derrière les vient une source de distraction pour ça des monde là donc nous besoin réaliser que comme on peut faire un salat nous on peut aller en terrain football là. Comme on peut le faire soit là, nous allons présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez une difficulté, les autres dimouns, vous avez empêché les gens de concentrer dans soit là à travers un t-shirt qu'ils m'ont metté. Aïcha radiallahu anha, elle a rapporté, elle a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin débouté pour faire soit là. Et ça, lorsque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin mettait là, c'était un linge qui fin distrait lui. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin fini, lui dit, prends ce linge là, al-kot Abu Jahab ibn Hudhaifa, et amène-moi un autre linge, qui appelle un bajani, un linge qui peine aucun décoration là ou là. Parce qu'il fin distrait à moi, comment tu peux faire salat? Parce qu'il fin distrait à moi, comment tu peux faire salat? Donc, combien parmi nous, qui nous prend en compte ça, quelque chose là? Combien parmi nous qui nous prend en compte ça qui est chose là? Vous connaissez, vous présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez, salat, c'est une ibadat qui bizan, il a khushur, bizan concentré. Qui fait moi le mettre un linge qui, comme vous faites salat, moi, vous capable de concentrer.
Ou soit moi empêche les autres dimons gars concentration de salat à travers sa linge qui m'a fait mettre là. Donc faut pas nous mettre un linge pour faire salat, un t-shirt surtout qui est dans les chrétiens là, on même un dessin. Même un dessin, il est capable de dessiner un pied, il est capable de dessiner une montagne, il est capable de dessiner un dessin bateau. Il est capable un dessin qui peine un photo du monde là, mais il reste un dessin qu'il est capable de distraire du monde dans notre salat. Et aussi une autre chose encore qui est important, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam get nous dit fin enseigne nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de peine salat comme on s'est fin préparé. Pena salat, commencez, fin pareil. Hadith qui trouve dans le muslim. Donc, si un djimoun, il finit de se manger, il finit de mettre l'eau à la table là, il arrive de la salat, qui lui fait? Qui lui fait, ce djimoun là? Est-ce qu'il quitte sa manger là, il fait la salat, que la salat finit, il allait la manger? Non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, pena salat de ce moment là. Mais là, il finit de manger, il finit de mettre l'eau à la table, il arrive de la salat ou manger avant. Ça montre nous, ce hadith-là montre nous concernant l'importance khushu. L'importance, pas de ce que nous faisons dans le mazah ou aller. Parce que si on quitte sa manger là, on a le faire salat, ou vous faites la mazah, ou vous pensez sa manger là. Ou vous pensez sa manger là, ou vous attendez avec impatience quand sa salat là fini, vous êtes capable de le manger. Mais tandis qu'il y a un dimon qui est fini manger, souvent il plein. Là, il peut faire salat, il est capable de concentrer bien. Il est capable de concentrer. Dépendant, vous pensez manger, il finit manger. Et aussi, non seulement ça, il ne pas pressé pour les finir se manger. Nous devons manger vite, vite, pour moi le faire salat. Parce qu'il y a des gens qui trouvent les loups pour les remplacer salat. Il y a des gens qui trouvent les loups en difficulté pour les remplacer sa salat là après. Donc, qu'il y fait, il a accepté. Il a accepté, il a le fait salat, mais seulement, il fait un namaz qui pouvait, un namaz que peine à concentration, peine à couchon, il veut faire un namaz, il veut penser à manger là. Donc, qui sait-il nous faire sa qualité salat là? Nous devons faire un salat de qualité. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, que nous pouvons concentrer. Nous pouvons concentrer dans sa salat là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, si dîner fin être servi et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit fin arrive les namaz, alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dîner, manger avant faire namaz maghrib et pas pressé pour finir de manger. Pas pressé pour finir de manger. Et dans l'autre riwayat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit hadith qui trouve de Bukhari et Muslim, si dîner fin être servi et qama peut donner pour namaz, manger avant et pas pressé pour finir. Donc, pas pressé pour finir. Pas pressé pour finir. Nous faire salat là après. Mais ce qui est important, c'est bien un khushu de salat. Mais il faudrait pas que ça vienne de l'habitude. Faudrait pas que ça vienne de l'habitude. Un dimanche tous les jours, jusqu'à arriver la salat, les alidjatiens sont mangés. Non. Une fois les temps, un dimanche est bloqué. Il a libéré faim beaucoup, libéré extra faim, il va être capable de tenir. Donc, dans la place qui, ou à faire salat, ou pense manger, ou finir manger, ou ventre plein, il est là pour faire salat. Et l'autre action encore, et nous terminons pour cette action-là, pour aujourd'hui, nous ne prenons pas trop de temps. Un hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il va faire nous connaître, comme ça même, pas juste pour manger. Un dimon qui est là pour la toilette. Qu'il est grand tout, qu'il est petit tout, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui, ça dit, moun là, si un parmi les autres, il n'a pas le toilette, et namaz, fin commencer, ça dit, moun là, il y a le toilette avant. Ça dit, moun là, il y a le toilette avant. Parce que si un parmi les autres, quelque chose qui pour, empêche un dimon, pour les capables, concentrer dans la salat. Ou bien faire salat, mais seulement, ou bien tiner. Ou pas pour capable, concentrer, ou pas pour capable, faire sa salat là, comment viser? La cause, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin empêche un dimon de ce moment-là pour les persister les conti faire ce salat.
Et si arrivé un djimoun, pendant qu'il veut faire salat, il y en a pas la toilette, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, donc, il casse salat, il y a le faire salat, il y a ce toilette, ensuite, il fait wazou, quand il finit, il fait wazou, et ensuite, il fait ce salat. Il y a le faire toilette, il fait wazou, après, il fait ce salat, pour vivre ce qui est important, dans ce hadith là, c'est que quand nous peut faire salat, il n'y a aucune petite chose qui peut empêcher nous pour concentrer. Qu'il y fait, qu'il y toilette, il n'y a rien qui peut empêcher nous. Mais nous peut faire salat, nous l'esprit, et avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut concentrer comme un besoin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine salat quand manger fin pareil. Et aussi, quand un djimoun li ena pour la toilette. Peine salat, pour ça djimoun là, hadith qui trouve un musulman, mais dit, dans ce moment là, quand il dit peine salat, il dit peine salat, dit tu non. Dans ce moment là, là, ça djimoun là, peine à salat pour lui. Ce qui est plus important là, c'est pas salat. Ce qui est plus important, il appelle sur la fin, il mange. Ce qui est plus important, il a le soulage, même il a la toilette. Quand il finit, il a fait ce salat à l'aise. Et ça pour aider lui, pour lui capable d'atteindre l'objectif de sa salat qu'il veut faire là, c'est-à-dire khushu. Et nous terminons par la même pour aujourd'hui. Inch'Allah, semaine prochaine, c'est nos derniers sessions. Semaine prochaine, peut-être c'est nos dernières sessions. Oui, c'est nos dernières sessions semaine prochaine concernant ça, si c'est là, khushu dans salat. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah aide-nous pour nous servir sa manmoyen qui nous fait apprendre pour aujourd'hui là. Donc, quand nous pouvons faire salat, ce qui est important, c'est bizarre, il y a khushu. Donc, c'est une petite chose qui vous venez de barrière entre ça, entre nous avec sa khushu là. Donc, nous, casse sa bonne barrière là. Il y a pour manger, nous manger. Il y a pour la toilette, nous à la toilette. Il y a une décoration, il y a une petite chose, il y a une linge qui nous mettait, qui est capable d'empêcher nous d'être chaud. Nous, sans sa linge là, nous pas faire la main dans sa place côté dans sa bonne décoration là. Nous sommes dans la place côté dans ta page. Parce que ce qui est important, nous redire encore, nous remettre là en face de là, c'est qu'il nous fait un salat avec chaud, avec concentration, afin que nous ayons maximum récompense de sa salat qui nous va faire là. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin.